Watukufu wa Komor, wanansi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa Komor kwezi, vonsimlio, wanyimlio harma insi ya Komor, na wanyimlio mwenze dunia ni wa mafiha. Timbushuri ya nikwezi, tumu ya khairi, ya baraka, ya nguvu za mwili, na mariziki ya halali. Zavili wa Komor na koja nimbeni mhono wa Tanga wangu, mhono wa Tanga wa husu ihufa ya Mwananyasi Major Hakim. Major Hakim afu shahidi maordi wananyahe Komanda Faisali na wabaki ikaomba wa ulawa na yezi ya ufujari iliyo Komor. Wa Komor kwezi wanansi, Major Hakim aulawa nisi angaria wa Komor mori wonsi zo wa mhono wa Tanga wa uveleha ni rengo sikitifu ndio nao uhusu ihufaini be hususan de namna Major Hakim aulawa namna dziwa ntongo ikomba ziririntisha pia i wa Komor maana kaza parojiri be zini zijiri ha yezi ya ufujari iliyo Komor hazizo nisi angaria wa Komor pia nivelehe kiraya vili mhono wa Tanga wangu niveleshe mhono wa Tanga wangu umuji wa hada na ile region ya nyuma kele niveleshe mhono wa Tanga wangu harma umuji wa Mironsi na ile region ya Mpomoni na huveleha mhono wa Tanga wangu hususan harma ifani ya Major Hakim wanawahe mtumshe wahe na wantu pia waifamia na hurongowa amba zihabari zini ya jalini ya hijiri yani mruala hitwa wa Major Hakim kautoba kitu be lazima watojiri hukma na vani sumjizani amba Major Hakim amengoni mawana wa Komor ikamba wafu shahidi wa ulawa na yezi ya ufujari ini iliyo Komor. Wa Komor wanansi, leo sisi javani na jamwambiani zomjuwao ikamba de zahusu yezi ya ufujari iliyo Komor ikaomba isenda ya hika na nguvu zaidi isi uwa wantu na huangamiza hufunga wantu na huhoza wantu karaparona zitendwa urizini za jiri duniani hususan mwanadamu wajirishe umati wao upepli yao leo Karako jara mambiani zoe komba msizi jua. Karako jara mambiani zi ajali. Zayezi ni fanyao. De rakoja rijeri mambiani de zatu rto fanyao. Watukufu wanansi wa Komor. Wanansi wa janvye maha unurlio nao. Mwezi unu. Isukwini itoka baki tarehe harma itarehe ya Komor ne mozimonsi wa mwezi wa janvier umahonu sifanya hutuba harma umuji wa kaweni harma isu wa shamaore tikati mambian amba undo umaha ri angamizao yezi ya ufujari rizime hatu ri uwe leo
mwezi mwonsi wa mwezi wa me, yani mwezi mitan tihale umaharu wa nisasa sawa raguna mambia ni kaululini na yezi ya ufujari ibaki inana nguvu isifanya na zoeta hao vavo kwezi wa Komoro wasijidisa masu ala mengi wasijidisa amba hali wantu wanu warongolo yani wasi ruwanao na isirkali ya ufujari ra wantu mazamana losu alala handa wa Komoro wajidisa wa Komoro wasijidisa su alala vili amba hali rina haki rahuwa mbia kulasku amba vale rtotoa isirkalini rtotoa nekarsi itoa losu alala vili wasijidisa amba lini isirkali ya ufujarini itola wao yuave nafasi wajue waeshi waeshi haunafasi waeshi maisha yao nafasi ya yao ya masuala yani nisitaha leo nijena majawabu kwezi hahutaha nimambieni jawabu lahanda lahudisa laharma lsuala amba vani wasiruwana una isirkalini rina ushinzi rina uaminifu wa wananzi risiju wa zorfanyawo wasi wantu wakweli risi wana na uyo haruma lisu alalini lijawabu nja unalo nisijana jawabu lahweleza amba wami wasi haruma imbwana ini renyesa wakati mwengi amba risiwana na yezi ya ufujarini renye sazitendwa risana rifanye be karashinda be kartolu mula amba karatara fanya vavo kwezi sifikiri amba ilazimu wa Komoro wakina waminifu amba wana wantu wana wana wao ikomba wasiwana na isirikalini wana ikaomba kawasi na ntrontro itoko yonzi kweli wahimi watayari ujito wa fidia wawane na isirikali su alalavili lahudisa amba hali haki leo rahija rahandia wantu amba rutomtoa walakarsi mtoa ini haki vavo levan na kojan jenrongo amba risijua pia amba rangu zi asizi za ntambo za fanywa na yezi ya ufujari i mbwana ini tende nziro mana wafujari wantu warenga imti ya tumateka wasijitaharisha na huzunga zinzia za huwana za hugada isharia vavo rende tarpara wakati amba rishindi rifanya konsta yani rifanya mtansa huo rielewa amba rieshue harumantongo nyengi yani karashinda razifanya vavo wakatirafanya konsta hiyo leo rija mezis mitanu simambia namba nyangu umwezi wa janvier 2021 dera rongo amba risi uwa yezi ya ufuja ide inirarongo amba la mise à mort de la dictature leo mwezi wa tsanu karashinda la yuwa be leo risi jana la fuzi yangina amba leo raharma umwiso wa imbana yaani raharma inde unu wa zungu wa rongo amba la dernière ligne droite la dernière droite ça tafsiri ya vavo amba leo inde mwiso wa imbana ini na wasi renge pia zihadhari zatu risifanya amba ini kede mwiso vavo wa mihuja leo vani tija ni mambie nimba ri tire zi leson za zi echec
Na wasi rakoja leo ritowe wahadi rivea hadi i peuple ya Komoro, yani wananchi wa Komoro. Rakoja rivea hadi arudi rijeri towe na randevu chongo tide uyoyo na vojana. Vojana rakoja rahimambiani diskur rahitoa miadi de leo rakojorenga ang ahadi, yani rakojorenga engagement. Engagement yo ti sasa wananchongo mtarongo watu. Engagement yo sasa na mtafanya kontra amba leo rakojota wa Komor rifanye kontra na wani rimambi amba leo karsi harman chongo za promesse be leo harman chongo za engagement. Engagement na vanu ya lazimu elewe mba engagement za tuzini zini risiza mini tena za za kwelu de hivyo mba risumba na randevu be risija rumwele zenda buzi za engagement rujo zirenga kwezi engagement ya handa leo ra mwezi monsi wa mwadome unu mahawatsanu rangu wa fujari warenga ye nsi ya tumateka mahawatsanu utimu ya kolazimu watowe zilakile za baiti salamu warongoe amba yezi lazimu wantu wafanye zivote mwana mzuani ajarenge nsi ayirumu waharaya tena waharaya vavo wasi leo risirongo amba ini dei i dernier ligne droite yani so leo rakoja riger mwambieni wa Komoro amba risidunga nzia ya usalama ri wasili Komori ri dafuinzi yatu ritie harmanzia za nafasia na nzia za sharia kwezi wananchi wa Komoro rikaru mwambiani kaweni le 1er janvier amba risiwa yezi ya fuja nezimitsanu iviri risirege armambieni amba leo rakoja rimwenye senizinzia halirifanyao ata riwasuli harmai unafasia vavo leo tisi javani na jafanya diskur nafanya diskuru na rongo wa ntongo ikomba bena koja nije ni mwambieni yani hufanya kontra ini engagement solennel yani ini engagement ya kwenu ya mwanadamu na umati wahe ya mwanadamu unu de wa milio vani be wa wantu rilio wengi rifanya wahazi wantu baba na wantu mama. Oui, kweli zizo, si mwambian, le 1er janvier, kaweni, harma jiswa shamaore, amba mkini, mtumshe dato jao, a veu unafasia i wananchi wa Komoro. Yani dato jao, libere i Komoro. Vozuzi, inamezmitsanu, le 1er janvier 2021, sirege nchongoye tarelewa nefete. Timwambia mba mkini, mwanamshe la atoja oleo arve liberté Komoro. Basi leo timwambia mba mkini, leo timwambia mba hayakini, mwanamshe la atoja o alibere i Komoro. Nchongoye timwambia ni hauzomana, sirenge zomana zangu, nsimwambiani mana wami meso nitsanike mengoni mwa madhomana mengoni mwa wana wa Komoro watwende sawenzi leo tsatsosubutu na javani na jamwambiani ntongo za malambe yoti hulka yangu watukufu wananchi wa Komoro kwezi mwanamshe da jonyongo e Komoro.
Bwana mshida shunyu nguwa ikomore. Nsimambia niyo isha Allahu ta'ala bi idhnillah. Mwana mshe unu atoja akide udhomana wa itransition. Yani maudli halma ilewa leo komore rafarudhi rifanye transition. Vozuzi wa mitika mengonu wa antuta kota ya transition. Na kota ringie rifanye zvote zanzuani. Ne leo ripara umwezunu vote kazafanshia wafujari kawakubali wazifanya vavo ya faru de rain rifanye i transition vavo mwanamshe unu lajoka oshitwa wa i transition na izomana nku atoka una harmo i transition ini de hupanga na hurengeleza na hufanya zivote za nzuani. Yo mengoni mwa imihi mami lubavu. Leo mwanamshe unajo kao nayo. Zivote zini asizifanya haifursa ya ikonstitusyon na iakor kadri ya fumboni ya mbayo ya rivayo ike rifanye ikonstitusyon 2001 na iakor kadri ya fumboni. Yo devanu rirengao zi sharia za kenti rijerfanye zivotezini. Bien sûr mwanamshe unu unu mtajua ufete inti rangu ndani hayo rangu marimbo nayo asijua na idunia namna akenti namna endao leo wasi utsawa ambari rive mwanamshe idwa manaini ini ritsawa haakili na hufikiri rifikiri mahamengi suku nyengi ivo dera kufanya ntongo hii ini kayajija kayaja tu beni ntongo ya lolewa iliyo na wataalamu wa siasa wataalamu wa mali wataalamu wa dini ikomba ntongo hii waitwalia tarpara ambaye ni de nzia njema itoro wasulishao harmai ini rangwa unafasi ya watu. Kwezi wananchi watukufu wa Komoro. Leo maha 46 rangurarenga Istiklali yatu. Kavaparo kamtu aendesa ikomoro kati mwanamme. Ne ifaida tini faida de ile wazungwa rongo wamba c'est le chaos. Yaani kavuzajiri nsi yangamia rsijwa pia. Hali hiliyo leo mayamu nsi. Ha, basi leo nakarenge mwanamshe, rangalie. Wakati kaomba, idunia mafia, ruono wanawashe, waruma, wakanayezi, walionayezi. Kavaparo katamu, beki nyume, zintizo, zina chongo inirongo la prosperite ekonomiki. Basi wasi leo wa Komoro na karenge mwanamshe rumbazi wa mana lazimu rifanye vavo nsane ileze mai dunia mafia wanawashe waruma leo harma ijaramani Almani mtarungulo Angela Merkel maha 16 dalio na yezi tena yoti yezi ya ufujari yo yezi ya haki demokrasi na ya vavo mkini mahonu datolawa hahuvenza hae. Uma na mshe. Rono, haruma insi ya shimrima, irongola o Liberia. Vapu, irongola Ellen Johnson Sirleaf, washi Liberia. Arumu Liberia, haruma maha 12, leo Liberia ya haruma nafasi. Kavastambu za maji, kavastambu za mwenge, kavastambu za nzia. Liberia ya haruma zinsi za Afriki ikaomba zisi tumaini zendebeli zendebeli deja msilale amba haruma itarehi wa Komoro kwezi wanansi haruma itarehi ya dunia faka wana washeda mwanamshe akorongolwa Idira Gandhi washi end
Arum. Manamche washi Israël akorongula Golda Meir Arum. Be vaka manamche washi Ngerezan arongula Margaret Thatcher. Wo akorongola na wa panga wa wasikampanga siasa la dame de fer manaka ko kirumbish. Leo wasi watulio na wazidi dame de fer. Tisi jo taldi nam wanyi dem tsono dinam tsomba. Et puis ba ndaya madame Thatcher bele ovan va wantu mama da waliona dhama na nkuu za mali. Leo mtalio akana jumba la mali la dunia ni FMI umanamshe wa Faransa. Leo mtalio na jumba la linilongo la francophone umanamshe wa Afrika dalio na dhama na za. Donc leo na relewe mba mkomoro lazima atie mwanamshe umbeli asimregeze nyumi. Hazizo msona zojirio leo harma insi atu wajemazatu wanzanuatu majiraniatu matanzania Samia Suluhu Hassan arengei plasi ya magufu umtafanya zipref zahe ainye saka waziri akana dhamana da. Leo watu mwanamshe mtojua mba huu dhamana. Wajema zangu kwezi, waamini nsamini, nsamini wanawashe, nsamini mba wao madhamana, nsamini amba watoshiwa, wasike insifete, wala kartopara naibu, insi toka harmo salama na amani, insi yatu isa amani. Insi yatu isa amani mana ikozo. Ikozo harmwe mahamineni ya diktaturi ya azali. Ilazimu vake mtu dhamana. Mtu ikomba asijua sharia. Mtu ikomba leo asijua mba ilazimu mahakama ike na dhamana. Mahakama isike korompi. Ivonje mwambia nwajima zangu mba. Ini leo de angajima na kojo irenga hanyuju de wahadi. Na kojo renga hanyuju. Ivon mwambien. Mba nsumba na randevu. I randevu nsumba niyo de havi de moroni. Kamu kwa venzi. I randevu nsumba niyo moroni. Kayumle meza mwezimu. Kayumle meza. Riparane riswali di moroni. Vavo kwezi. Lewo. Nsimi ya mwezimu isha Allah. Amba i randevu ini kaito zidi mwezi van nertu efani. I randevu ini itoka na wanchu ikomba. Ini ekip ya jitaharisha. Ikomba ina shtwa na hayo de mtumshe unu. Ikomba sijwe nsi rangu umuni hayo ta umwenze hayo. Asijwa siyasa. Asijwa siyasa. Asijwa. Amba ilewo insi atu ya monsi transition inatambu nyengi inatambu za huendesa inatambu za hurengeleza insi na zua sizijua lemana amba sifiki amba leo sirenga mia dihanyuju amba zisuku mia za handa za i transition inirto ifanyao sifanya mchongo nane. Si fanya ntongo nane, ikaomba zifanyi shiha. Tongo ya handa, rahija harma i transition. Tongo ya handa rifanyo, rsiedza imishara. Leo komorien askana simig, smiginde irongolo saler minimum garanti. Aba kuto jua, mananti waliva unsini ma i salerio. Wa komor, wa jemazangu, wa nansi. Zitongo nmambia nuzobani kwezi, zini sizamini na misumbana ahadi ina ahadi ni kontra wa Islam. Leo shahidu wangu Mwenyezi Mungu nsifanya i kontra yo bani na humwambiani na Mwenyezi Mungu asiniki amba waamini samini zoni zirongo wao na hutumaini amba Mwenyezi Mungu atujalia zimkimshi vavo nukto ahanda wa Komor mzara isedzewa
ismig inirongolo mbade mshahara mtiti utokao alfu thalathini, yani 300 euros. Ensuite, tonge ya vili, na msikefe tekwezi, na mkena azikala mzanyu mangihe, tonge ya vili, receipt, hensi, receipt ya allocation ya maandikape, yani maandikape watopara ushuru, oli ya ntuhungia madukani wahitaha, wahimia, isirikali, isihensi, ushuru, ya wantu kawajishindi na wantu walazimu wasaidiwe. Allocation spécifique pour les handicapés et les autres nécessités. Tongi araru, risi rétablisse umenge. Umenge uke wakwelu, wende kulasku. Risi jwa pia zintambo za antuwa vira wazamba, husu sandeini, wakatu waja na zimbonya za motera, lfijo, vale sayeri, umenge wababo wa zahavi. Basi wasi, risi jangashu. Harma sukumia za handa za transition amba umwenge utoka regulier na utoka permanent si mwenge wa huvutsa tu. Tonge ya nne, risishusha zi unité za telephone, yani de hadisi ya ikredi ya komor ya kredi wa irungwa alo va obasikom, risireduize iku de 50%, yani fuvula la hamsina si shusha mba manadama iti ya kredi atojua la guwe na ata aelewe mba ini telefoni kweli mana leo duniani pia telefoni ilio hali tu duniani de telefoni ya koma na wazi rtotia barnamaji riankuraje zi abonma ikemba kula mtata afanya abonma atuifanya hawangu wala kafto kamba vale mpaka jawa ujawa. Yo hauna hana le telephone na internet na kula ntongo za husu izi réseaux sociaux izi sija mashababi wajiviwe mba leo wa harma idunia maude mashababi pia leo dunia telephone kula nsi telephone yo itende bure komori tu de kula mtatake alio na telephone a avango hari nukto ya tsan kwezi zi urgence za laptali za stokabure kavusi manadamu atoko zao amba vingwa ende laptali haupesi amba sondo liviswa mpesa asondo enzi wavale taidamu itie afe mana wajemazae kawatoa mpesa iyo risi joi futa rito zime hatu les urgences seront gratuites dans les hôpitaux nukto ya sita watoka magari ya urenga na universitaire waende universite. Watoka sikreye kantine scolaire, yani wana watiti wale likole, wanoicha, wale na ishaula shamtana, wagute, ivoende malagona. Risibu wa restaurant, harungazi universite, wana zonu wale wati, na foyer universitaire. Risi wahasite universitaire na wanazoni kawatsi jishinda wajimazoka asijishinda watuka na bursu yode nukutwa ya saba nukutwa ya nane risandisa hufanya zinzia hahujiza wa komor kwezi watukufu amba leo wasi zinzia rjoze andisa uzifanya karsi inogwire nzia na kaka aisa karto fanya zintongo haiki nyume yazo. Leo madiktator walio komor kula vahanu tona asie uha amba wasifanya inauguration. Wasi karna ufanya inauguration na kai hazika ya koma. Vavo maiki amba wasifanya inauguration. Vavo devo mba yi hazi ikoma. Zizo lezi nukutua ikawamba nukutua nanezo na musike ritozifanya harma ya transition. Harma zisukumia za handa za transition. Haya, baada vavo, zisuku zabaki. Yani, baada ya sukumia zova, suku zabaki, ya maisha ya vavo, ya senda, wanamna mbili za engagement. Namna mbili ya handa, lezi
zokaomba rizi fanya wakumia zahanda za transition ikaomba lazima zilunge zimaliziwe yo ya handa ya vili de i projet politique ikaomba ito inisiewa na ukandida atola harma shiswa shanzuani harma zelektion za upresidi rabuzi inukutwa ya handa ikaomba ini de i programu ya isuku ni ya zahanda za ipuvwari ya transition za engagementa nezi nikomba de razurongo avani zini ti promesi le zini engagement ikomba ekipu ya transition ina farudi ya farudi ina obligation ina devoir ikomba wafanye zitongo zini sino i ekipuyo wachoka mavamana wakati komba zintongo zini kaza fanshi zintongo zabaki lezi proje za ukandida atokomba alawa harma shiswa shanzuani ikaomba unda ukandida wa itransition ini proje politik ikaomba ya wakati ikaomba ini proje ikaomba kula suku itojua irengelezewe iengezewe ivunguziwe vaengezewe fikira mpia ini tile msafu i proje ini unu tile msafu ini kula mkomo au namba asija harumwa wantu wanu waliona itransition ajatoeza fikira mlongo ubuha atojuaje de ini ekipu sude ikaomba itoka nzuani itoka mwali itoka ngazija wani de wantu watavinge i transition waja wavinge na zivote wafanye zivote zitoe nchio manamzuani haruma yezi ya ito lunga we transitione ata rende haruma tournanti ya mwani vavo lewo rsira kula mtu baisha mjeni aliona fikira njema ajarpare riunde nsi na ike mbai dunia isenda mbeli upande wa akili, upande wa falsafa, upande wa science, upande wa teknoloji. Leo, malheureusement, i coronavirus, ija, i bouleverse, i dunia. Leo, zintongo zanziro, ilazimu rija adapte, na i dunia ikaomba isibuje, iyo rike en phase na wakati. Yode imana, wajema zangu kwenu, wanansi, watukufu wa koma. Na koja, ni mwambie, ambaye proje politiki yatu, apre la transition, ya ukandida watu, utoka unayo, haruma ishiswa shanzuani. I proje ini proje ya sika, ubinadamu na umanadamu, iliyo osantri ya umanadamu, ikaomba itaisaidia umwanadamu harma maisha he na unono wahe na msomo umana he na waye na zitongo za pia i proje ni ti proje mijuza bede ni mjuao yode ya husu unono manarsi jua amba unono wa inti ya tulidihiro la dito si jua amba isante ya inti ya tuyo ya nzuwa de uyo ilazimu pare ya malalao inukto ya vili ya proje ni de malezi de malezi ya uma na misomo ya wana na kula atasoma iyo risijo fanya shintu rongola tablo raz yani risijo andisa a zero manantini manava wade mzito ulio harma inti yatu upande wa msomo wa wana upande wa education uyo education nationale ntongi ya raru i proje fari ya raru de upande wa mahakam leo vani osi risijofanya risijozima hatu zintongo pia ziliomba za mahakama yatu ikomba kasenda randisevasa ritie misingi mivia
Tongo yane de hazi. Ilazimu mkomora pare hazi afanye. Na aminsu mambana hadi. La osi, si pa renga engagement. Amba leo, ifanye. Inde irongolo le plein emploi. Yavavo komor. Kula mtata afanye hazi atojo afanye. Mana komor raharma nsi ya croissance. Vavo, watanlamu, wavavo. Le plein emploi est possible comment Ivo dopande wei limrima na ulozi zizontongomba rina mipango ya kensi si devaniti de jom nanulia onizopia de mipango ya kensi na waskara hara ya fikira jengedzao au nakava fikira mbovu ivunguziwe vai service public. Na administration ya tout ba yanzua de wajao. Na y fonction publique ya tout. Et puis, arma y projet ou bav ya tout. De infrastructure. Si mambian vani, arma zi 100 jours. Za y premier, les premiers 100 jours de notre action. Amba, ritoka, rtoani sa ufanyanzia. De, arma y projet ya tout. Tindzi ya tout. Vana hua hazi likole. Vana hua hazi laptali. Pia inti lazimu yuumbe. Babo kwezi, ahumaliza matalazuzi yangu, haluha ya shikomor, leo nakutana mwambieni, ni regeye, mwambieni mba, rina ekipi ya transition, ikaomba, iyo rina na ukandida watu, ikaomba, watoka, de ukandida ala wa harma shituwa shanzuani, na ekipi ya tu, ekipi Arisha, ikomba ya tayari, isendelea nazi mitola anyo, risijua PNC ya tumba ya harma udito, ya harma tambu, vavo, isaha yundwe, nsitumaini, amba mtoja, murpare, kula mtu wa bon volonte, kula mtu atahao, aliona hamu, na nsi ya tu, atojua ajena wasi, yunde nsi, rifanye mipango ya sharia, ya kenti, ya ukwenu, betile wafujari wani leo haluwalio. Alor, leo, risitumaini amba watu watoja o, wavotewe, watoja, wavinge projeini ya transition, ikaomba wami leo, ikaomba originer wanzwani, taharma yi transitioni, risa ekipu sude, ikomba wa Komor watu taha watie confiance yao haoju maana wao watoka watu wa sharia watu wa demokrasi yo de mana ritaho mbai tournanti yende nzwani et puis ici zieba yende mwali ivo wa Komor wa kensi wa hadisi meso ya Komor watukufu de harma izi mozini de nakotanzie diskuri yangu yashi haluha ya Komori nije harma iluha yashi jeni iluha yashi Faransa ni mwambieni amba nesher compatriotes peuple comorien de l'intérieur de la diaspora où que vous vous trouvez à travers le monde assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Avant tout, je voudrais vous souhaiter un bon ramadan. Nous sommes déjà le 18e jour du mois de ramadan, ici aux Comores, et 19 jours en France. Je vous souhaite un bon ramadan pour tous, un ramadan plein de prières, de joie et de bonnes choses. Inch'Allah. Ensuite, je voudrais présenter mes condoléances au peuple comorien qui a été touché, qui est peiné par l'assassinat, mais surtout de la manière dont la dépouille du major Hakim a été malmenée. Je me joins à l'écrasante majorité du peuple comorien pour condamner cet acte inhumain, inqualifiable, qui a montré le vrai visage du régime qui s'est dit gouverner notre pays aujourd'hui. Je me joins au peuple
pour présenter mes condoléances à la ville de Hada et à la région de Numakele, à la ville de Mironsi ainsi qu'à la région de Pomoni. Enfin, je me joins à mon peuple pour présenter mes condoléances à la famille du major Hakim, ses parents, ses frères, sœurs, ses épouses et ses enfants, en leur promettant que justice sera rendue au major Hakim, en précisant que cette barbarie ne restera jamais impunie. Le major Hakim sera hissé au rang des martyrs de la nation comorienne, comme le sera aussi le commandant Faisal et ses camarades tombés sous les balles de la dictature un jeudi 28 mars 2019. Peuple comorien, mes chers compatriotes, je ne vais pas m'attarder sur ce que vous savez déjà, à savoir la dictature sanglante que jamais aucun peuple au monde n'a connue en temps de paix et par ses propres dirigeants. Je ne vais pas m'attarder sur ces choses abominables. Je voudrais vous rappeler que le 1er janvier de cette année 2021, qui restera cette année dans les annales de l'histoire des Comores, je vais vous rappeler qu'à Kaweni, à Mayotte, je vous avais parlé de la mise à mort de la dictature dans notre pays. 5 mois après, hélas, la dictature est toujours là, encore plus forte, et de telle sorte que certains parlent de son enracinement. On compte, voire on légitime les morts, les tortures, les emprisonnements arbitraires, les arrestations au quotidien, etc., etc. Les questions qui reviennent souvent sont les suivantes. Premièrement, les Comoriens se demandent si les forces d'opposition sont-elles crédibles. Deuxièmement, les Comoriens se demandent si nous avons le droit de continuer à faire miroiter au peuple comorien des jours meilleurs. Et puis, troisièmement, ils se demandent, le peuple, quand est-ce qu'il va retrouver le chemin de la liberté? Toutes ces questions sont légitimes et nous allons y répondre. Mes chers compatriotes, en ce qui concerne notre loyauté, donc notre crédibilité par rapport à ce combat, nul ne peut nous reprocher de tout ce que nous avons fait ou tenté de faire. De ce fait, nous pensons que notre crédibilité n'est pas entachée d'aucune manière que ce soit. Deuxièmement, comme chacun sait, depuis les assises exclusives, la dictature a pris le pas sur toutes les prises de décision. La combattre devient de plus en plus difficile et aléatoire, voire suicidaire. C'est pourquoi beaucoup d'initiatives ont échoué, soit par méconnaissance du terrain, soit par manque de professionnalisme, soit par traîtrise. Ce constat d'échec étant depuis janvier 2021, nous revenons vers vous, peuple comorien, pour vous dire ceci. Nous avons tiré les leçons de nos échecs et ainsi nous demandons à notre peuple, premièrement, nous demandons de nous faire confiance et nous allons nous engager derrière le peuple et leur donner un rendez-vous. Comme engagement, à ce jour, le 1er mai 2021, nous nous engageons en notre âme et conscience à dire au peuple comorien que nous sommes sur la dernière ligne droite vers le chemin de la liberté. Peuple comorien, nous t'avons annoncé le 1er janvier dernier que 2021 est l'année de la mise à mort de la dictature aux Comores. 5 mois après, nous réitérons, nous réaffirmons ce positionnement en annonçant clairement aux Comoriens que nous sommes sur la dernière ligne droite
vers le chemin de la liberté. Ce qui est différent aujourd'hui par rapport à hier, c'est que cette fois-ci, cette promesse est assortie d'un rendez-vous. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de prononcer un discours d'espoir. Je suis en train de m'engager solennellement pour ma dignité d'homme, pour notre dignité d'homme et de femme. Oui, j'ai choisi de travailler avec des femmes, pas seulement pour respecter la parité, mais surtout pour montrer et démontrer à notre peuple que la femme peut faire autant que l'homme, sinon plus. Et cela a été démontré. Mes chers compatriotes, souvenez-vous de ce que je vous avais dit le 1er janvier dernier à Kaweni et Mayotte. Je vous avais dit ceci. Peut-être c'est une femme qui viendra nous libérer de la dictature. Aujourd'hui, je ne vous dis pas peut-être. Je vous dis, je vous affirme, Inch'Allah, je vous confirme que c'est bel et bien une femme qui va prendre la tête de la transition, qui aura comme principale tâche la préparation et l'organisation des élections présidentielles pour un originaire de l'île d'Anjouan, conformément à l'accord cadre de Fomboni, issu de la Constitution de 2001. En effet, dans cette période difficile, à la fois à l'intérieur et à l'international, mettre une femme à la tête du pays est une démarche volontariste favorable à tout point de vue. D'ailleurs, les 46 ans de souveraineté n'ont vu que des hommes gérer le pays et le résultat, c'est le chaos. En revanche, nous vous faisons remarquer qu'à travers le monde, les quelques femmes qui ont géré leur pays l'ont fait avec beaucoup de réussite. À titre d'exemple, je vais citer quelques noms de femmes célèbres comme Madame Angela Merkel d'Allemagne, qui a fait 18 ans de règne démocratique, Madame Ellen Johnson Sirleaf du Liberia, qui a fait 12 ans, qui a géré son pays pendant 12 ans, Madame Indira Gandhi en Inde, Madame Golda Meir en Israël, Margaret Thatcher, la Dame de Fer en Angleterre. Et aujourd'hui, nos voisins tanzaniens, avec Madame Samia Suluhu Hassan, c'est une dame courageuse, nous avons vu sa bibliographie, c'est une dame qui a gravi tous les échelons. Donc, moi je vous dis, notre championne, la future championne comorienne, elle aussi, elle a de l'expérience, elle va le montrer. Mes chers compatriotes, je crois aux femmes, à leur capacité de gérer et gérer honnêtement et dans la sagesse. Notre pays en a besoin. Notre pays, notre peuple est traumatisé par presque 4 ans de dictature. Il nous faut un petit peu de douceur, du sérieux avec une justice indépendante et non corrompue. Mes chers compatriotes, après avoir exposé nos engagements dans les principes, dans la philosophie des choses, je vais vous donner un rendez-vous. Notre rendez-vous aura lieu, bien sûr, à Moroni, dans un temps très court, qui n'excédera pas, Inch'Allah, un mois, avec une équipe resserrée et à sa tête, la femme en question, qui connaît le pays de fond en comble, qui connaît les arcanes du pouvoir, de la politique, et qui connaît surtout tous les défis à relever pendant et après la transition. Ces défis sont multiformes, ils sont immenses, et nous nous engageons à les relever, et les Comoriens en jugeront. Mes chers compatriotes, nos engagements pendant les premiers 100 jours de la transition, nous avons 8 engagements. Premièrement,
la hausse des salaires et l'introduction du SMIC à 300 euros par mois. Ce qui est égal à 150 000 francs comoriens. Sachant que aujourd'hui, les Comoriens, il y en a qui sont même payés 50 euros par mois. Il n'y a pas de SMIC, chacun paye comme il veut. Donc nous, on va introduire un SMIC obligatoire à 300 euros, l'équivalent des 150 000 francs comoriens. Deuxièmement, nous avons instauré une allocation spécifique pour les handicapés et autres personnes nécessiteuses. Troisièmement, nous allons rétablir l'électricité en permanence, de façon régulière. Quatrièmement, nous allons baisser de 50% le prix du téléphone Internet et alléger les conditions pour les abonnements. Cinquième point, les urgences sanitaires gratuites à partir du jour où nous aurons à gérer la transition aux Comores. Sixième point, le ramassage scolaire pour les universitaires, la création de cantines, de restaurants universitaires, des cités universitaires en création et des bourses d'études pour les nécessiteux. Huitièmement, début de construction des routes qui continueront jusqu'à la fin de la transition et jusqu'au pouvoir qui sera installé en juin pour la tournante anjouanaise. Les engagements après les premiers 100 jours de la transition et au-delà. Ces engagements se présentent sur deux écueils. Premièrement, le prolongement du programme initié pendant les premiers 100 jours du pouvoir de transition et le projet politique initié par le candidat originaire d'Anjouan pour l'élection présidentielle. Premièrement, le prolongement du programme initié pendant les premiers 100 jours du pouvoir de transition, il s'agit là des 8 engagements cités un peu plus haut. Comme le nom l'indique, ce ne sont pas des promesses, car les promesses n'engagent que ceux qui les donnent. Ce sont des engagements qui lient ceux qui s'engagent. Cela signifie que l'équipe de transition a l'obligation et le devoir patriotique de les réaliser, sinon cette équipe ne peut pas prétendre à une quelconque responsabilité dans le pays et à quelque niveau que ce soit. Ensuite, le projet politique du candidat originaire d'Anjouan, issu de l'équipe de transition. Il s'agit là d'un projet politique qui est vivant et moderne. Un projet qui est amélioré constamment au fur et à mesure que les jours, les semaines, les mois et les années passent. C'est un projet en perpétuel changement, suivant les évolutions du moment et les expériences des hommes et des femmes qui adhèrent à ce projet. Ce projet n'est pas le Coran, qui ne change jamais. Chacun de nous, de vous, peut-être, peut y contribuer pour l'intérêt supérieur de la nation comorienne. Même nos amis à travers le monde peuvent nous apporter des idées novatrices en fonction de l'évolution des choses. Le monde avance vite, très vite, au niveau philosophique, au niveau scientifique, au niveau technologique. Malheureusement, le coronavirus a tout bouleversé dans cet univers, comme quoi on ne peut pas rester figé. Il faut nous adapter à un monde qui bouge. C'est ça la vraie vision. C'est ça qu'on appelle être en phase dans le temps. Mes chers compatriotes, mes chers amis, peuple comorien, notre projet politique s'articule sur les axes que les projets Mes chers compatriotes, notre projet politique s'articule sur plusieurs axes dont je vais vous citer quelques-uns. D'abord,
la santé. Nous savons, mes chers amis, que notre santé est malade. Les remèdes sont là. On va les apporter. Nous avons le problème crucial de l'éducation nationale et de l'enseignement, dont nous allons faire une table rase. Le système judiciaire qui est également malade. Le travail, les plus de 40% de la jeunesse comorienne est au chômage, sans travail. Nous allons y apporter des solutions. Parce que les Comores, pour les Comores, le plein emploi est possible. Cinquièmement, la production, le ministère de l'Agriculture et de la Pêche. Sixièmement, le service public et l'administration. Notre fonction publique, là aussi, est malade. Il faut y apporter des solutions. Et les projets phares sont là. On va les exposer le moment venu. Et enfin, il y a le service public et l'administration. Oui, j'en ai parlé. Et la fonction publique. Mais il y a nos infrastructures qui sont en net délabrement et que beaucoup d'efforts doivent être faits pour remettre les choses en phase. Pour conclure, mes chers compatriotes, pour conclure mon propos, je voudrais insister sur le fait que l'équipe de la transition, qui sera aussi celle de la législature des originaires d'Anjouan, cette équipe est consciente que tous les Comoriens et même le monde entier connaît l'état de délabrement du pays. Tout est à construire. Je compte sur vous pour nous accompagner dans cette reconstruction. Nous en avons la force, la volonté et les moyens de le faire. Les chantiers que nous nous engageons de créer seront pour la plupart achevés avant la fin de la transition. Les autres suivront avec la candidature que je porterai en tant qu'originaire d'Anjouan et toute l'équipe de la transition qui est une équipe soudée et dont le peuple comorien apportera évidemment sa confiance. Cette équipe continuera démocratiquement l'œuvre engagée en faveur de la tournante dont un ressortissant moélien sera à la tête. Abat la dictature, vive les Comores dans la paix et la stabilité, avec une transition qui aura à sa tête une femme comorienne. Ensemble, nous vaincrons. Je vous remercie.